se souvient de ma vidéo. Tu sais, mon problème, quand je parle, quand moi je parle là, je parle fort, ça devient, tu vois, qui se souvient de la télé-réalité là? Quand je parlais de la télé-réalité, qui se souvient de ça? Qu'est-ce que j'ai dit dans télé-réalité là? J'ai dit tous ceux qui sont partis dans télé-réalité, tous ont été sacrifiés. Je vous ai dit ça, oui ou non? Ne riez pas. J'ai dit ça, oui ou non? Tous ceux qui sont partis dans la télé-réalité là, on les a sacrifiés. C'est Kadi qui a dit ça. J'ai dit qu'ils sont, on les a sacrifiés. Et ils pensent que c'est sacrifice de moutons ou un sacrifice de tabaski. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je vois, ils sont en train de se poser la question que dans la télé-réalité là, et j'ai vu la vidéo de l'unique. C'est ça qui a fait que j'ai déposé ma caméra même pour parler. Il dit que dans la télé-réalité là, quand ils sont partis, ils ont vu les soroïs là-bas. Ils se demandaient pourquoi il y avait les soroïs, il y avait quoi, il y avait ceci, il y avait cela, et tout, et tout, et tout. Ils disent qu'ils ont vu et tout là-bas. Hein? Donc, pourquoi vous êtes étonnés? Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas du tout étonnés. Pas du tout. Jesse Chase sait de quoi il parle. Jesse Jela, il sait de quoi il parle. C'est pas un, il n'a pas un enfant, c'est pas un enfant de 5 ans, il n'est pas bête. Il sait pourquoi il dit ça. Et moi, je suis prête à même à mettre en feu que Bob Lee a été empoisonné. Oui. Je suis prête à même à mettre dans du feu que le gars a été empoisonné. Il a été empoisonné dans votre télé-réalité là-bas. C'est la vérité. Oui. Donc vous tous qui avez participé à la télé-réalité là, faites attention à vous. Faites très attention à vous. Vous avez des séquelles que vous n'aviez pas avant. Est-ce que je mens? Vous avez des choses que vous n'aviez pas avant. Depuis cette télé-réalité-là, vous ne vous retrouvez plus. C'est pourquoi j'ai dit qu'on vous a sacrifié. Vous pensez que moi, je suis venu vous moquer ou je suis venu me foutre de vous. Qui a recruté les gens? C'est qui vous a recruté? Qui vous a recruté? Hein? Après votre télé-réalité là, vous pouvez ne pas aimer Kadi, hein, mais reconnaissez que Kadi dit la vérité. Je ne vis pas avec vous là-bas. Mais après votre télé-réalité là, votre vie est devenue bancale. Votre vie est devenue bancale. Vous avez des séquelles qu'avant vous n'aviez pas. Faites attention, hein. C'est pas dans tout on rentre. Avec cette histoire de sec, des loges qui trimballent comme ça en haut des têtes des jeunes là. Vous partez rentrer dans des choses. On ne vous dit pas. Vous lisez les contrats, vous signez des contrats. Mais vous ne savez pas dans quoi vous avez mis votre pied. On prend votre chance, on prend votre pouvoir. Ceux qui ont les yeux pour voir, ils connaissent. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour étudier. Moi, je n'ai pas les yeux pour voir. Mais quand vous-même, vous voyez des choses, ça doit vous interpeller. Il fallait d'ouf quelqu'un parmi eux, vous là-bas. Et puis maintenant, pour que maintenant, les choses se passent bien. Mais ne dites pas que vous aussi, là. C'est pas Kadi qui va venir parler ici. Oh, mais vous allez me donner, toujours donner raison sur la toile là ici. Quand il vous dit que je suis un enfant Zurich, là, vous pensez que je vais me donner un titre. Allez-y, tapez, c'est quoi l'enfant Zurich? Tout ce que j'ai dit dans les télé-réalités là-bas, je n'étais pas là-bas pendant qu'ils étaient là-bas. Là. Et tous, ils sont venus dire la même chose ici. Ok. Cyril, voilà ton problème. Donc là, on vous a sacrifié dans télé-réalité là. Dans quelle télé-réalité on vous dit signez, vous partez, vous faites accident, vous voyez hibou. Vous voyez des trucs bizarres. Ça là, ça vous donne pas ça vous fait pas des tics. Tous ceux qui ont participé à la télé-réalité là,
ils sont devenus même plus, ils sont devenus plus méchants entre eux-mêmes. Pourtant, le but là, c'était pour vous réconcilier. Mais aujourd'hui là, ils veulent se tuer même. C'est semblant, ils font pour rire, mon frère, ma sœur. Mais au fond là-bas là, ils veulent se manger même cru. Si tu les demandes là, ils vont penser que non. Je ne répondrai pas à ça. Oh, c'est l'état, ça. Si tu les demandes là, ils vont penser que non. Et ils connaissent tout. Et ils connaissent tout. Pourtant là, il y a des choses là. On n'a pas besoin d'aller consulter Marabout. Toi-même, il faut faire travailler ta tête. C'est vous qui dites que vous avez les grands, grands diplômes. C'est vous qui dites que vous êtes allé loin à l'école. Nous, on ne comprend pas français. Nous, on est illettrés. Mais ce que nous, on voit. Vous qui êtes, qui avez les loulous diplômes, qui parlez loulous français, là, vous ne voyez pas. Après votre passage de télé-réalité, là, dites-moi, c'est quoi qui a changé dans votre vie? C'est des malheurs seulement sur malheurs. Ça dit, il y a d'autres même là, ils pouvaient attraper l'argent, maintenant même l'argent les fuit même. Tout est bien remis, les business est gâté, rien ne va. Mais ils vont venir s'arrêter devant vous, vous voyez comme si tout va bien. Pourtant, eux-mêmes, ils savent au fond de ce que Kadi dit, c'est vrai. Depuis que Yabola, c'est comment? Vous êtes là, on allait vous sacrifier dans télé-réalité là-bas. Du moment que vous avez pris Big pour signer le contrat, vous avez signé le pacte avec le diable. Et ça va vous suivre comme ça. Que Dieu me pardonne. Mais vous avez fait une grosse erreur. Vous avez fait une grosse erreur. Moi, mon intuition ne me trompe pas. Je vous jure que moi, mon intuition ne me trompe pas. C'est pourquoi souvent je viens dire des choses. Les gens pensent que je jette courir et je fais quoi. Jamais. Moi-même là, si on Marabout, même si on lui dit de venir, il va voir. Moi et puis Marabout, là, Marabout passe ici, moi il passe ici. Ça passe pas à moi. Moi, ma tête n'accepte pas ces genres de trucs là. Ma tête ne supporte pas les gens que toi tu as regardé moi mon avenir. Quoi. Toi même tu as regardé, fini de regarder ton avenir. Hein? Regarde comment vous avez eu des malheurs dans votre vie après votre télé-réalité là. Des malheurs se suivent comme ça, boum, 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 boum. Hey, donnez votre vie à Dieu. Quelqu'un peut vous faire du mal, quelqu'un peut vous attacher. Mais hey, retournez chez Dieu. Si tu es là comme ça pour dire que c'est là, ça va t'atteindre. Mais donne ta vie à Dieu. Si tu es chrétien, continue de fléchir genoux, tu appelles ta Vierge Marie, ou tu appelles ton Seigneur. Si tu es musulman là, faut te concentrer sur ta prière. Faut faire tes 5 prières, puis faut te concentrer sur ta prière. C'est important. C'est important. C'est important. Vous avez signé le pacte avec le diable. Ah, ou bien, tous, sans exception, vous tous qui avez signé le contrat. C'est Kadi qui dit ça. Aujourd'hui, vous allez sortir m'insulter, hein, c'est vrai. Mais je vous ai dit, je ne fais pas clash. Mais vous êtes mes frères et sœurs. Quand je vois la vérité, je ne peux pas ne pas parler. Sinon, je peux me taire et ne rien dire. Depuis là, je vous dis ça. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vous parle de ça? Je vous ai dit tout ce qui est allé faire télé-réalité là. Il y aura des trucs dans votre vie. J'ai dit ça, ouais, je n'ai pas dit ça. Avant que ça commence. Du moment que... Moi, je suis sénoufo. Je vous dis ça tous les jours. Loli, elle est sénoufo. Quand Loli a fait son accident là. Quand Loli a fait son accident là. J'ai dit ça, j'ai dit que ça là, ça c'est en train de montrer un signe. Mais elle n'a pas été intelligente pour comprendre. Elle a continué. Souris est à sa place là. Je fais demi-tour. Je viens faire sacrifice. Mais tu crois pas où elle est, comme ça, où elle est. Au bout d'où qu'elle sera qu'à bonnier, puis elle passe là. Mais elle est partie. Tu m'as donc le signe, mais il est là, mais il ne faut pas t'entêter. Mais vous voulez toujours vous entêter, vous voulez vous entêter. Vous pensez que c'est Bob Lee seulement, ils ont eu. Ah, c'est lui même dit que je marque un bon point. Vous pensez que c'est Bob Lee seulement ils ont eu? Hein? Si tu n'es pas en harmonie avec Dieu, tu as enlevé Dieu dans ta vie là, facilement on peut t'atteindre. C'est pourquoi il faut faire attention. Si tu n'as pas Dieu avec toi, facilement le sorcier peut t'atteindre. C'est Bob Lee qui a été le coup d'envoi. Vous-même, regardez votre vie. Vous venez faire semblant comme si tout va bien. Wallah, Ibila, Erek, Aloko, ça ne va pas. L'argent là, sort comme ça. André, votre main est percée. Vous gagnez l'argent, ça sort comme ça. Vous, ça s'en va. Vous ne savez pas ce que vous avez fait l'argent là-même.
L'argent est monté, l'argent est descendu, vous savez pas. Vos business ne marchent plus, rien ne va. Vous êtes angoissé, ça va pas. On vous donne l'argent, mais vous savez pas l'argent là où c'est parti. Hein? Donnez votre vie à Dieu. Ce que vous dites là, ce que vous dites là, c'est ouba ouba. Donnez votre vie à Dieu. Votre télé réalité là, c'est un pacte que vous avez signé. Pour défaire ça là, allez concentrer à cela, allez concentrer à la chrétienne là, c'est tout. Il n'y a pas trop parlé. Vous-même, vous savez dans quoi vous êtes détend. C'est maintenant que vous êtes en train d'ouvrir vos yeux. Quand il parlait là, vous laissez venir m'insulter ici. Non? Oh, tu mens, oh, tu mens. Tout ce que. Je suis resté ici. Je suis resté ici. Ce n'est pas gentil de m'insulter, c'est ça, Cyril. Je suis resté ici. C'est gâté pour parler. Je suis resté ici. J'ai dit tout ce qui se passe dans votre télé-réalité. Wallahi, bilay, talay. Du temps d'Osso, quelqu'un m'a appelé. Qu'a dit, tu fais comment même? C'est parce que vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas pour me lancer les fleurs. Ma famille me connaît. Ma famille me connaît. Si moi, je voulais être lanceuse de courrier, là, j'allais bouffer l'argent des gens, j'allais escroquer les gens, mais ce n'est pas mon truc. Voilà. Tu es là souvent comme ça, les choses viennent dans ta tête et puis tu dis. Les gens pensent que tu jettes courrier, mais tu fais quoi? Regardez seulement. Tout ce que j'ai dit ici, là, ça va arriver. C'est Bob Lee seulement, vous voyez. Toi, tu me regardes pourquoi? Je suis dans mon voiture, puis tu me regardes. T'es sûr? Oh, chaba bien, non? Vous avez fait une grosse erreur. Grosse, grosse, grosse. Mm-hmm. C'est pas bon. Fallait même pas, même pas. Déjà, même pour partir là-bas, là, vous avez... Chez nous, là, c'est une fois, quand tu voyages là, et que avant ton voyage là, tu vois des signes, tu cognes ton pied, tu te blesses, tu vois du sang, ou bien tu fais un accident, ou bien, en tout cas, quelque chose, ou bien ton agent se perd. Faut te retourner même. Faut même pas forcer. Faut te retourner. Quand ils ont fait l'accident là, ils disent ça là. Ils savent pas dans quoi ils sont en train de partir. Mais comme c'est des stars, nous on n'est rien. On est des vidomans. Moi, mais est-ce qu'on m'appelle vidoman même? Moi, on m'appelle hey maman. Viens ici. Voilà mon nom. Je suis rien. Quand nous on parle là, on dit que nous on parle notre bout sang. Voilà. Vous allez accuser des gens. C'est vous-même qui vous êtes mis dedans. Ce n'est pas quelqu'un. Vous n'étiez pas obligé. Moi, il ne peut pas venir faire quelque chose. Et puis, vous-même regardez. Voilà, quand c'est dit, vous-même regardez ce qui se passe. Les gens sont devenus plus fous même qu'avant. Ils sont devenus plus fous même qu'avant. Hein? Ça ne va pas. Eux-mêmes, ils ne comprennent rien. Il prend business là, il commence, paf, il laisse. Il commence là, paf, il laisse. Rien ne va. Tu te demandes même si tu as chié à l'église. Pourtant, avant d'aller dans votre télé-réalité là, tout allait un peu, quand même bien, bien, bien. Ça allait, ça va. Même au niveau de votre travail, mais vous pensez qu'on vous jalouse. Vous avez envie de quitter même dans votre travail là même, mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes là, vous n'aimez pas votre travail, mais vous êtes là, vous êtes angoissé, vous voulez faire ça. Tout ce que vous essayez d'entreprendre là, ça tombe dans l'eau. C'est comme ça, quand tu signes pas qu'il y a le diable, il te manipule, il te gère. Wallahi bilay talay, vous allez m'insulter, mais c'est la vérité. On vous a sacrifié dans la réalité là. C'est sacrifié, on vous a sacrifié. C'est prépépé, vous nous montrez. C'est prépépé, vous nous montrez. Tous ceux qui ont participé à la télé-réalité là, hein? Du soukassi benini koufara. C'est-à-dire, angoisse veut les tuer. C'est parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour dire des choses. D'après que c'est confidentiel, c'est secret. C'est mieux que vous dites, ça va vous libérer. Et puis vous donnez votre vie à Dieu. Wallahi bilay. C'est ce que je dis là. Moi, je vous dis tout, c'est Dieu qui m'inspire à parler. C'est Dieu qui m'inspire à parler. C'est ce que je vous dis là. Prenez ça haut. Ne pensez pas que c'est clash. Je vous jure que si vous sortez m'insulter, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas faire clash avec quelqu'un. Mais vous êtes mes sœurs et frères. Je viens vous parler. Voilà. Si tu es chrétien, continue de fléchir genoux, tu pries ta Vierge Marie. Si tu es musulmane, kasabiata, faut aller apprendre les ouroudis. Faut apprendre, faut lire. Faut pas dormir sans prendre ambition. Faut dire là et toujours, c'est dit kakila. C'est important. Faut toujours te donner ta vie à Dieu. C'est ça. Vous-même, regardez. On est des jeunes, mais on est des jeunes, mais on est. Malgré que même nous-mêmes qui n'avons pas participé à votre télé-réalité là, mais rien ne va en fait, quoi. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a?
Par contre, vous-même qui allez faire télé-réalité, là, vous pouvez même se doubler même plus que pour nous. C'est devant les gens, vous venez vous asseoir comme si tout va bien. Moi, ça va, et choco, choco, vous mettez les loulous fit pour vous montrer que ça va. Pourtant, au fond, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous dépensez comme les gens dépensent. Votre argent, ça sondrait vos mains percées, ça verse ou ça verse. Hein? Ça verse ou ça verse. Allez-y, faites sacrifice. Quand tu vois que tes business ne marchent plus là, ça ne va plus là, faites sacrifice. Mmh. Ne partez pas chez les marabouts. Hein. Toi-même, faut t'asseoir, tu réfléchis. C'est à voir. Dieu va t'envoyer la solution. C'est la vérité. Mmh. Je vous ai dit ce matin, il y a un système qui est là pour détruire la jeunesse, pour terminer la jeunesse. C'est pas en Afrique seulement, hein. C'est partout dans le monde entier, aux États-Unis, en France. C'est pour finir avec la jeunesse même. Le système là est là. Donc ils vont passer par tous les moyens pour atteindre la jeunesse. Si toi-même tu t'en vas te jeter dans les mains, comment vous pouvez comprendre ça? Maintenant, quand on dit à décès, tu demandes, mais on dit que s'il a trop, s'il a trop à ses 30 ans, ça vous pose pas des questions? Ça vous mène pas à réfléchir? Les portefeuilles magiques par là, les quoi, l'argent, les quoi, l'argent. Lui-même qui te fait portefeuille magique, tu le vois même, tu n'as même pas envie de lui dire bonjour, tellement il est sale. Il peut te rendre riche, lui-même, il n'a rien. Ça vous amène pas à réfléchir? Pourquoi ce phénomène est venu un coup comme ça? Les gens ne se cachent plus, c'est pour attirer les jeunes. Ils sont là pour terminer avec la...